Yo, yo. Ok, bon. Le programme de ce matin, on récupère tout le matos. Donc, pavillon, ancre, filet, et puis on va tout déplacer là-bas. Le phare du bout du monde. Si on a mis deux bacs aujourd'hui, c'est pour pouvoir mettre le filet à l'arrière. Donc on se retourne et on se retrouve derrière. Ok. Wow, celle-ci a des tentacules. On a une petite araignée de mer, bon, on va relâcher, mais par contre, on a une huître roulante. Genre, what the fuck? Wow, wow. Ok. Ça, c'est de la sèche. Je commence à me demander si je vais vraiment changer mon filet de place. Tiens, tiens, tiens. Qui revoilà encore. Purée. Ah, je vais... Oh putain, celui-là est énorme. C'est insupportable ces trucs. Au début, j'avais prévu d'aller poser le filet au niveau du phare du bout du monde. Sauf que, à partir du moment où j'ai monté le congre, tout a commencé à partir en sucette. Le congre bougeait en tous les sens, il a commencé à me virer mes couteaux, il prenait une place infinie dans le bac. Et bon, en plus, avec la houle, j'ai manqué de me retourner deux ou trois fois. Bon, j'ai laissé tomber et puis j'ai juste refilé au même endroit et puis basta, quoi. Mais bon, vu comme ça a bien pêché aujourd'hui... Ouais, bonne journée. Bon, bah j'avais deux couteaux et aujourd'hui j'ai perdu les deux couteaux. Wow, wow. Ok, ça met du noir partout, un plaisir. Voilà, donc ça c'est une roussette, c'est un petit requin. Bon, ensuite, madame la sèche. Ça c'est nice. Niveau fraîcheur, on en est où, monsieur? C'est nickel. Ça, très bon poisson. On a une sèche, deux sèches, trois sèches, une roussette, un bar et une huître. Eh bien, comme quoi des fois le mauvais temps ça a du bon. Il y a pas mal de houle et on va juste rentrer en surfant. La bagarre. Les collègues, eux ils pêchent à pied. Ce matin ils pêchaient le vertube et ramassaient un peu de pétanque. On a tout ce bordel à récupérer et à amener là-bas. Il y en a pour un petit moment. On peut y aller. J'ai un voisin qui rêve de manger du bar. Donc on va aller lui offrir. On retourne à l'eau, couteau, on les trie, on les caille, et puis on va lui expliquer comment cuisiner. Là on est bien, on y va. Première chose à faire, étriper le poisson. On glisse le couteau au niveau de la nuque, on remonte jusqu'en haut, on enlève tout ce qu'il y a dedans. Et on les caille. Avec le bar, il faut vraiment faire attention à ça. Son arête dorsale, c'est des petites épines, et autant vous dire que ça pique. On le rince à nouveau. Ah, oh non, non, quel con. Ça va être un plaisir le jour prochain. Ouais, ouais, la bonne idée de s'occuper du poisson sans les gants. L'arme du crime. Ces petits couteaux Victorinox, quand ils sont neufs, tranchants comme des lames de rasoir. Mais enfin. Bon, on repart. Ah, j'ai super mal. Bonne journée, oui, bonne fin de footing. Poisson, pouce coupé. Bon, du coup, lui, soit vous le faites directement au four en entier. Aluminium, beurre, persil, échalote, très simple à chaque fois. À l'intérieur? Ouais, à l'intérieur. D'accord. Ou autour. Sinon, ouais. Vous le mettez en filet à la poêle avec sel, poivre, beurre et puis c'est parti. Je vais opter pour le four. Ok, c'est mais pour j'ai le four. Tapis d'aluminium. Et ben, vous pouvez faire sans aussi normalement. Ah, très bien. Voilà, très ça bien, marche vous également. Vous êtes très flexible quand même. Ah oui, oui, oui. Allez, salut. C'est un bandage, on prend le sac et on va au marché. On y est, marché de la Rochelle. Bonjour. On est parti. Il faudrait deux citrons jaunes et du persil. Merci, merci, et ça sera tout. La marée haute est à 16h, donc ça veut dire qu'à 16h on repart à l'eau, on s'occupe des sèches, de la roussette. Et si on a encore la foi, peut-être que ce soir on teste une nouvelle recette avec la sèche.
Vous voyez ça? C'est un téléphone étanche. Pourquoi il se balade avec un téléphone étanche? Je vous montre maintenant. Ah, vous êtes content quand le téléphone est dans la poche et qu'il est rempli d'eau, hein? Je pense qu'on va me mettre à l'eau là-bas.